Les ATSEM étaient en grève aujourd'hui à Strasbourg, des mois maintenant que ces agents territoriaux spécialisés en école maternelle réclament davantage de postes. Ces femmes, parce que ce sont souvent des femmes, estiment qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour remplir leur mission, d'autant que le taux d'absentéisme est très important dans leur profession. Caroline Kellner, Jérôme Gosset. Pas de cantine aujourd'hui, ces chaises vides sont la principale conséquence de la grève des ATSEM. Par crainte de manque de personnel, la ville a fait le choix de fermer toutes les cantines de maternelle, une décision à laquelle les parents ont dû s'adapter. Faute de cantine, j'ai dû courir pour le récupérer. Je les comprends, parce que je travaille aussi dans le social, mais c'est compliqué pour nous qui travaillons la journée, quoi. Nous soutenons les ATSEM et aussi les enseignants, car les classes au Neudorf principalement sont surchargées à 30-31 élèves. L'objectif de cette grève est simple, les ATSEM réclament un poste par classe de maternelle. Aujourd'hui à Strasbourg, il y a 317 ATSEM pour 391 classes. On est donc loin du ratio 1 pour 1. Le plus urgent, c'est quoi pour vous? Ce serait déjà d'obtenir une ATSEM par classe. L'absentéisme, il y en aura encore, mais la surcharge de travail sera moins pénible. Ça, vous l'espérez pour la rentrée prochaine? On l'espère. On n'a pas grand espoir, mais on espère quand même. Si nous devions embaucher aujourd'hui 100 postes, ça coûterait environ 5 millions d'euros.